Le Palais des Beaux-Arts à Lille se modernise pour connaître l'origine des tableaux et la vie des nombreuses œuvres d'art qui séjournent ici. Le musée va mettre dès demain à disposition des visiteurs un visio-guide. Il suffit d'un glissement de doigt sur ce support numérique pour faire apparaître vidéos, textes et images. Plus de 100 œuvres sont ainsi référencées. Ce visio-guide est aussi accessible aux personnes sourdes et malentendantes grâce à des vidéos en langue des signes. L'idée est de créer une interactivité avec le visiteur et de lui donner toutes les informations nécessaires sur l'objet qu'il a sous les yeux. Quelques visiteurs ont eu la chance d'essayer en avant-première ce visio-guide. Quand on a l'habitude de voir des iPods, pourquoi pas, mais après il faut découvrir, je crois qu'il faut aller un petit peu partout pour découvrir l'usage de l'appareil. Sincèrement, c'est très, très sympathique et assez ludique pour moi. Le choix des images est assez extraordinaire. Et le commentaire permet, l'image est fixe, donc on peut à la fois regarder l'œuvre et étudier, écouter ce que dit le commentaire tout en observant. C'est très très bien fait.